ça permet aussi quand même de faire une introspective au sein du club, parce qu'on nous demande effectivement certaines choses, c'est qu'il y a comme un cahier des charges, et c'est certain que ce cahier des charges, ben, il faut le remplir. J'ai envie de dire que ça fait partie de la structuration des clubs, et c'est inévitable. Donc pour nous, on avait déjà mis beaucoup de choses en place, donc je ne dirais pas que ça a été une simple formalité, ça serait prétentieux, mais c'était... Voilà, ça ne nous a pas embêté de remplir tous ces dossiers-là et on est heureux d'être récompensés. Donc pour nous, c'est un gage de travail aussi de la part de toutes les composantes du club. Comme d'hab sur les touches, je vais vous casser les couilles, les gars. Pas un mètre, pas 50 cm, rien, rien du tout. Si on peut sauver un corner, on le sort, on donne rien, les gars. Ok? Vous avez vu en face, c'est grand, on donne rien, pas de fausse bête, les mains derrière le dos. La rigueur, les gars. La rigueur, chacun de la rigueur. Tous ensemble. Il faut qu'on ait plus de caractère dans le jeu, plus de duels, et surtout qu'on trouve de la vitesse sur les côtés. Là, on manque de profondeur. Là, on envoie Joe au casse-pipe, c'est impossible. Il est au milieu de deux, on envoie ici. Les passes droites, arrêtez vos passes droites, arrêtez. Le terrain déjà est compliqué, donc si on fait une passe droite, Clément, lui, décroche vers toi, puis il peut revenir que vers toi, et on se fait tamponner, coup franc, danger. Donc il faut apprendre très très vite, tout simplement, mais ça va servir de leçon aux jeunes de notre effectif, du club. Mais encore une fois, c'est quand même de bon augure. Voilà, on est en repos la semaine prochaine, donc il va falloir recharger les batteries. On reçoit dans 15 jours, on a fait 2 défaites sur 3 à la maison. J'en veux pas une troisième. Je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur ce match. Hein. Et effectivement, en plus, c'est notre première victoire du championnat. En plus, elle est à l'extérieur. Et non, effectivement, il y a beaucoup de bonnes choses à retenir. Il y a encore des choses à travailler. Mais vraiment, le plus important, c'est vraiment l'état d'esprit.